Le parc des Jalles, c'est un vaste espace naturel de 6000 hectares qui regroupe 10 communes de la métropole le long de la vallée des Jalles, de Martignas jusqu'à Parampuire sur la Garonne. Un territoire qui abrite des trésors de biodiversité en termes de paysages, de faune et de flore, de patrimoine et d'activités agricoles que Bordeaux Métropole veut préserver, renforcer et valoriser à travers une opération d'aménagement d'intérêt métropolitain. Ce projet, il vise déjà dans un premier temps à reconnaître la valeur inestimable de ces espaces naturels pour la métropole. C'est des zones de captage d'eau potable, des zones qui régulent les inondations, également une zone d'îlots de fraîcheur de vaste ampleur et puis une zone également de production agricole. Donc cette opération d'aménagement, il faut la voir comme une sorte de mini parc naturel régional, c'est-à-dire un espace où on valorise les espaces naturels et agricoles pour ce qu'ils peuvent apporter, mais aussi pour ce qu'ils sont. Donc c'est bien des aménagements qui visent à permettre la découverte par le grand public, l'observation de la nature, donc sous forme d'observatoires, de petits sentiers de platelage qui permettent de s'approcher de la nature sans la déranger. Donc des aménagements très ponctuels, très respectueux du milieu naturel, et également des aménagements qui peuvent profiter à l'activité agricole, être au service des agriculteurs. Actuellement, le projet est en attente des avis des services de l'État et des collectivités territoriales concernées. L'idée est donc de finaliser cette phase réglementaire par une enquête publique à la fin de l'année 2020 et une déclaration de projet portée par Bordeaux Métropole au premier trimestre 2021.